Salut à tous, donc on s'était quitté juste après avoir récupéré le jean de machin d'eau, et ces cons là ils nous donnent un jean d'eau alors que c'est le seul perso qu'on a pas. Si ça c'est pas con. Donc bah du coup on se retrouve avec un jean d'eau et on n'a pas de perso d'eau. Donc c'est pas très grave. Je vais le donner à Sylvia, je suis... Ouais. On va en Jinder bientôt, mais c'est pas grave. Comme ça, elle aura prise, mais après, non, ça va. Ah, par contre, on aura peut-être plus tourbillon du coup. Bon, oh, tant pis. Voilà. Donc, maintenant qu'on a la magie reliée, on va sortir d'ici. Donc, ça, bon, c'est obligé de le faire dans l'histoire. On peut pas passer par là. C'est obligé de le faire dans l'histoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous rappelez, on est allé à un village là, le village de Daila. Et ouais, donc on est allé au village de Daila. Et maintenant, on doit aller sauver les enfants. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, ou si peut-être que je l'avais pas vu. Je vais peut-être pas assez parler aux gens, mais après le raz-de-marée, il y a deux enfants qui ont disparu. Donc ils sont au mausolée, on était passé devant à la vidéo 2 je crois. Enfin je crois pas, j'en suis sûr même. Et donc on pouvait pas passer parce qu'on avait pas la magie reliée justement. Alors maintenant qu'on a la magie reliée, attendez, je ne vois pas d'endroit là. Je me suis gouré, c'est par là qu'il faut aller. En attendant, on va faire une petite halte. Ouais, maintenant qu'on a la magie reliée, bon, on peut aller sauver les enfants. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, on va quand même se prendre quelques petites armures. 50, 25, en bois. Donc, je vais essayer de faire vite. Et merde, ouais, pas. Ouais, non. Je vais prendre cuir. Donc il y a toujours ces fameux tickets de jeu qui me donnent. Hein. Donc ça c'est bon. Robe, non, pour Pavel je crois pas. Hein. Oh, merci. Voilà. Et puis là on est pour déjà j'ai donné. Masse, bah, pour un point, je vais pas lui donner. Hein. Donc voilà, peut-être un bâton avant la main. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Et là, hop. Voilà, un petit coup d'auberge. D'ailleurs, les auberges, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'utilise jamais dans Golden Sun. Enfin, dans le 1, je ne l'avais pas trop utilisé. Vous allez voir, le 2 est différent du 1, quand même. C'est beaucoup, beaucoup moins linéaire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus libre, quoi. Enfin, vous verrez ça. Donc là, le mausolée avec une musique assez inquiétante. Merde, je passe le dialogue sans faire exprès. Ouais, bah, il faudrait peut-être lancer la corde. Musique qui est sympa. Donc c'est toujours les musiques de Motoi Sakuraba hein, qui a également fait les Tales of, je crois. Tales of, je suis pas sûr. Enfin, il a fait les Valkyrie Profile et les Star Ocean par contre. Voilà, maintenant il peut passer. Il ou elle. Je sais pas si c'est une femme, ouais. Enfin, une femme, une petite fille plutôt. Non, c'est deux mecs, je sais pas. On s'en fout en fait. Alors, il parle d'une étrange créature. Donc,
voilà, cette étrange créature, c'est tout simplement un djinn, vous allez voir. Donc ça nous fait un djinn de plus. Bon, bien sûr, les djinns, on n'est pas obligé de tous les récupérer, on peut même en récupérer... Enfin, pas aucun, parce qu'il y en a, on est obligé de les avoir. Il faut être con, de toute façon, pour voir un djinn et faire exprès de pas le prendre. Alors, je ne sais plus par où il faut passer. C'est pas ça. Donc c'est bien par là. Bon bah du coup je vais devoir remettre la ficelle. Ah oui, puis la carte je peux la donner à quelqu'un aussi. Attends, je vais équiper à Pavel pour le fun. Vous allez voir sur les petites énergies qu'il a, c'est plus du tout les mêmes du coup. Pardon. Ah, jongleur, carte dupe. Oui. On a des trucs avec des cartes en fait, ça c'est marrant. Et donc on se rend... bon ça on s'en fout, c'est pour rentrer. On va aller chercher ce fameux djinn. C'est un djinn taille basse. Donc c'était la merde. Bon, vous avez vu, hein, il a dit qu'il s'enfuit à chaque fois le djinn. Et là bon, on passe sur un pont craquelé et clac. On se casse la gueule. Il s'enfuit, bien sûr. Donc ça, c'est pas un djinn qui nous accompagne si facilement que ça, vous allez voir. Parce que non seulement il s'enfuit, mais après il nous attaque. Quand on l'aura bloqué, bien sûr. Donc c'est un djinn plutôt sauvage. Et les djinns ont toujours des noms assez sympas. En rapport avec l'élément. La plupart du temps, hein, parce que des fois il y en a des djinns, je sais pas où ils vont nous chercher des noms pareils quoi. Bon, les djinns vent, c'est des noms de vent, hein, de toute façon, donc c'est pas compliqué. Voilà, on suit la route. Voilà, on suit les pas. Ce qui est un peu con hein, d'ailleurs. Vu que le djinn il vole, je vois pas comment il laisserait les pas, surtout de cette taille. Enfin bon, c'est pas grave. Une petite erreur hein. Disons qu'il a les pieds sales quoi et puis il y a de l'eau qui tombe par terre hein, on va dire ça. Et il sait pas se laver, ça en fout partout. Bon alors là je sais plus par où faut monter. On va être fixé. Ah bah c'était par là justement. J'ai fait le bon truc. Putain, il m'a foutu les jetons ce con. J'étais devant l'écran, je vois le putain de flash qui m'arrive sur la gueule là. Voilà. Donc je vais toujours pas montrer les cartes du coup. Voilà. Et là, c'est là qu'il est dans la merde. Il va rien comprendre, vous avez vu, il nous suit, c'est assez marrant. J'adore la bouille des djinns quoi, elle est énorme. Et là, il est foutu. Donc bon, j'ai changé mes classes, j'espère que ça va même. Ça va pas me niquer. Jongleur. Et prisme. Donc du coup j'ai plus le soin quoi. Bon c'est pas grave. Quand on voit les animations n'ont pas changé, c'est les mêmes. Un soupir. Bon, pour un djinn vent, c'est un peu normal de s'appeler soupir. Voilà, écho. Bon, écho, par exemple, bof, je vois pas le rapport avec la terre. Voile, ouais. À la rigueur. Bon, elle, c'est un peu dommage qu'elle ait de bombe. Ah, si, bombe, c'est sympa. Voilà. Alors, par contre, on va sortir de la grotte maintenant. Hein. Puisque on peut pas la continuer pour l'instant. On y retournera plus tard dans le jeu. Putain, j'ai mis du temps quand même pour faire ça. Voilà.
Et maintenant, on va continuer notre route. Pardon. Alors, où est-ce que je voulais aller? Ouais, je crois qu'il faut retourner. Attendez. Ouais, c'est ça. Je pense à me repérer là. Pour tourner vers le temple là. Ah, attendez, maintenant qu'on a fait revenir les enfants, est-ce qu'il se passe pas un truc dans la truc? Je voudrais vous montrer hein, si c'est le cas. J'aimerais bien que vous le voyez. Non, les enfants. Je crois que ça fait rien hein, de ramener les enfants, mais bon. Pour le fun, on va voir. Ah, bah si, il y a Alex. Oui, parce que tous les bateaux ont été ravagés par la tempête, donc voilà, essayez d'aller voir vers la côte sud pour le bateau. Je dis tout de suite qu'on est des merdes. De toute façon, de dire oui ou non, dans quel que soit le cas, les oui et les non ne changent strictement rien. Strictement rien. Un peu les dialogues, mais c'est tout. Et quand je dis les dialogues, c'est juste les dialogues sur le moment, hein, si on répond oui ou non. Ça change pas les dialogues d'après. Voilà, donc pendant que Alex va aller voir du côté de la côte sud pour trouver. Enfin, chercher, surtout en bateau. Ben nous on va. Ok. Je crois même pas qu'on a des récompenses ou quoi. Ouais, pour l'instant, nous on va, on va continuer notre route. De notre côté. Alors par contre. Merde. Vu que Lina, de toute façon, avec le truc d'eau, elle va. Ça va tout casser. Je vais plutôt faire. Ouais. Vu qu'avec le truc d'eau, bon, ça change la classe. Je vais autant lui mettre la carte. Et je vais remettre son jean. Parce que bon, on se trimballe pas à poil, comme ça, c'est son jean. Bon, je vais arrêter de faire de morts de merde, là, c'est fou. Donc je sais pas si je passe par le bon endroit. Enfin bref, nous on continue notre route. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Hein. Et, voilà, on cherche un bateau pour aller rejoindre. Il va où ce truc? On s'en sort. On cherche un bateau pour rejoindre les phares, quoi, les allumer. Pour l'instant, par rapport au 1, bon, l'histoire n'est pas mieux. Hein. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Ça, j'avais oublié cette particularité des combats du Golden Sun. Quand on fait attaquer, enfin, quand on fait une action sur un ennemi qui meurt entre temps, bah, il se défend, c'est quoi. Au lieu de le faire sur un autre ennemi. Ça, c'est dommage. Quoi? Qu'est-ce que je demande au temple de Pandore, hein? C'est quoi ce délire? Bon, excusez-moi, je me suis bourré de route. Tiens, ça commence bien. Donc du coup, comme il crève, s'il crève, ça annule tout. On est obligé. On peut pas faire attaquer sur un ennemi, parce que s'il crève, on va se défendre. Et voilà. Donc il faut bien viser les bons ennemis. Putain, je m'en veux trop pour Golden Sun 1 là de pas l'avoir. Enfin, de l'avoir loupé à ce point, quoi. Si j'avais découvert que l'émulateur. C'était la cause du lag. Bon, maintenant j'ai la carte qui tremble, mais bon, ça, moi, ça me dérange pas perso. C'est juste qu'après avoir fait une dizaine de vidéos, j'ai des yeux comme des cocons, mais c'est pas grave. Bon.
J'arrête pas de dézoomer. Ouais, ouais, c'est bon, c'est la bonne route. Bon, de toute façon, c'est la seule qui restait. Donc mes vidéos feront en général 1 minute. Enfin, un peu moins. Si des fois j'ai pas le choix parce que je suis en plein combat, je ferai des vidéos plus longues, quoi. Bon, ça sera pas avant la fin du jeu. Ah, il y aura le plateau de décan. Ah, il est bien ce truc. Je l'ai toujours aimé. Depuis que je suis tout petit. Bon. Allez, là j'ai fait une connerie déjà. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, mais si, on est obligé de se prendre un trou en fait. Hein. On est obligé de se prendre un trou. Ah, vous voyez, c'est déjà plus varié, je vous avais dit, les décors dans le jeu. Et ça, c'est rien, parce qu'après, c'est énorme. On a un truc de chaque élément, là, pas des phares, mais des rochers, je crois. Ouais. Rocher de Vénus, rocher de... ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est génial, quoi. De toute façon, durée de vie, rien à voir avec eux, hein. Bon, je pourrais pas vous donner exactement la différence entre l'un et le 2, mais c'est bien... au moins deux fois plus long que le 1. Je dis bien au moins. Qu'est-ce qu'il fait ce truc de merde? J'ai de la défense. Ah, pas mal. Bon, en plus en comptant les quêtes annexes, etc. Ouais. Ouais, il est largement plus long. Ah oui, alors là c'est chiant aussi. Vous allez voir. Voilà. Les poteaux se cassent. Et donc quand on retaque, hop, ça nous refait tomber. Là on peut pas monter en haut parce qu'il nous faut une synergie. Elle s'appelle enfoncée, je crois. Génial, je sais pas si vous vous rappelez, ça augmente les stats définitivement. Donc ça, je crois que ça augmente la chance, la vie, je sais plus. L'agilité, ok. Je me suis complètement bourré. Bon, alors, j'aime pas quand les jeux sont linéaires, mais par contre, quand les donjons sont linéaires, j'adore. Enfin, je veux dire, quand il n'y a qu'une route, avec bon, les autres routes, il n'y a pas des routes avec des cul-de-sac, quoi. Quand il n'y a qu'une route et puis d'autres trucs pour récupérer des coffres, ça j'aime bien. Quand il y a des routes qui partent dans tous les sens, ça fait chier par contre. Oui, parce que moi je me perds assez facilement. Voilà, je sais même pas où on est. Ok. Oula. Enfin, je me soigne pas assez souvent. Je joue trop à la FF. Faudrait que je me soigne pendant les combats. Enfin, pendant les combats. Avant les combats, plutôt. Donc de toute façon on va bientôt se quitter. Putain, il y en a une qui est en train de souffrir. Oh putain. Putain, il a failli l'achever. Salaud. Non mais il s'acharne dessus l'autre. Parce que là, le spécial, depuis le début du jeu... tous des sadiques les ennemis, putain. Ah bah d'accord, je reviens là. Bon bah c'était dans l'autre sens alors. Bon bah écoutez, on va se quitter ici. Bon là s'il y a un combat pendant que je parle, je le passerai. Ouais. Oh bordel. C'est pas possible. Comment on fait? Oh, c'est pas possible. Ah mais je suis con, on peut passer par dessus. Il a fait un boulet. Bon. Bon bah voilà, on se quitte ici. On se retrouve après le combat. Allez, salut.